Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live de l'archéologue. Alors je sais que certains me diront l'archéologie ça n'existe pas encore dans le jeu, c'est vrai, tout comme la vidéo de l'agriculture, ça n'existe pas en jeu, c'est pas une activité qui existe véritablement, mais il y a quand même quelque chose évidemment. Évidemment, il y a quand même quelque chose, autrement je ne ferai pas de vidéo. Donc oui, l'archéologie en fait c'est quelque chose qui existe pour le moment un peu en T05 comme l'agriculture, ça existe dans le jeu, vous pouvez trouver des artefacts à certains endroits, vous pouvez même en acheter. Alors, je pense que c'est plus sympa d'aller en trouver dans les ruines que d'aller les acheter dans un Aera 18, sur Arcorp par exemple. Mais oui, vous pouvez en trouver du coup dans les ruines du système Stanton. Donc c'est tout à fait possible. Donc moi, je suis allé du coup dans une ruine et puis je suis allé voir. Donc je vous montre un petit peu, je suis allé à côté de l'Orville, je suis à 20 km de l'Orville, je suis sur une petite ruine à côté. Moi, je vous conseille pour, si vous voulez faire cette activité, vous voyez, je suis vraiment à côté, là, je suis à côté de l'Orville, là. Vous pouvez aller un peu dans n'importe quelle ruine. Vous pouvez potentiellement en trouver. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment, dans n'importe quelle ruine, c'est possible d'en trouver. Pourquoi? Parce que vous allez en trouver dans les caisses. Pas par terre au sol, mais vous allez en trouver dans les caisses. Donc, je suis allé dans une ruine sur Hearthstone pour vous montrer ça. Alors, il fait nuit, je suis un petit peu désolé, mais voilà. Je vous conseille très fortement de vous équiper. Parce que vu que ce sont des ruines, elles sont infestées de pirates. Donc du coup, équipez-vous correctement afin d'abattre les pirates. Parce qu'autrement, vous n'allez pas aller loin. Vous allez avoir un peu de difficulté à survivre à leurs attaques. Donc, vous éliminez en fait tous les gardes. Donc moi, je l'ai déjà fait. Comme ça c'est clean. Et puis, je peux bien vous montrer les choses. Donc, vous éliminez tous les pirates qu'il y a dans la zone. Et puis, du coup, l'objectif, ça va être un petit peu de chercher des caisses. Et les caisses que l'on va devoir trouver, elles ressemblent à ça. Alors, j'en ai déjà trouvé une. Elle est là-haut. Donc, je vais monter. Et puis, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On va les prendre dans le sac. Et puis, on va les ramener dans le vaisseau. Et on va les regarder un petit peu. Alors vous avez des artefacts humains et vous avez des artefacts aliens. Et là c'est très bien. Oh là là, oh là là, l'échelle. Oh, allez, hop, 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 allez, hop, voilà, comme ça, c'est bon, on y arrive. Voilà. Alors vous devez chercher des caisses comme ça. C'est des petites caisses grises, un petit peu abîmées, comme ça. Vous pouvez donc les looter. Hein, donc on peut la looter, donc on regarde à l'intérieur. Et vous pouvez donc trouver des artefacts à l'intérieur de ces caisses. On va faire un petit peu de place dans le sac. Voilà, comme ça, on pourra les embarquer. Voilà, comme ça. Donc vous avez là, typiquement, une Teverin War Service Marker endommagée. Donc on va la prendre. Comme ça, on va pouvoir la regarder un petit peu dans le vaisseau, vous verrez. Mais voilà. Vous se trouvez donc là un large artefact fragment pristine. Donc, quand c'est du pristine, ça veut dire qu'ils ne sont pas endommagés. Et quand ils sont damaged, ils sont un peu endommagés. Mais vous verrez, c'est très sympa à regarder. Ouais, vous pouvez même trouver des objets électroniques. Là, c'est une carte mère électronique. Vous pouvez trouver des trucs comme ça. C'est sympa. On va faire un petit peu de la fouille, hein. Et du coup, on peut trouver ça. Donc on va descendre gentiment, là, et puis on va retourner au vaisseau, et puis on va les regarder. Mais c'est vraiment, vous trouvez ces caisses-là, et dans ces caisses-là, ces petites caisses grises, un petit peu endommagées, dans les ruines, vous pouvez trouver, du coup, des artefacts. Alors il n'y en a pas forcément, mais du coup, ça, c'est, faut regarder et puis trouver ça. Je vais, oh, pff, l'échelle, sérieux, allez. Voilà, c'est bon, on y arrive. Voilà. Ok, on va retourner au vaisseau.
Vous avez d'autres caisses hein, que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver des caisses de munitions, vous pouvez trouver des caisses d'armure et puis tout ça, de nourriture. Mais les artefacts se trouvent uniquement dans ces petites caisses en cube grise, un peu endommagées. Donc on va regarder là-dedans. Hop. On va ouvrir, on va fermer. Comme ça, on ne sera pas dérangé. Comme ça. Puis on va se mettre dans la lumière. Là. Mais bien sûr, avant qu'on regarde les artefacts, j'aimerais vraiment vous encourager à vous abonner sur ma chaîne, à me suivre sur Twitch et sur Beam et à rejoindre mon Discord afin de partager un petit peu des choses avec ma communauté et moi-même. Je mets pas mal de choses du coup sur le Discord, mes vidéos et puis surtout certaines annonces en français de la part de CIG. Donc je vous conseille fortement de rejoindre le Discord. Donc si tout ça vous plaît, faites-le, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Twitch, sur Beam, rejoignez le Discord et puis pourquoi pas un petit bouton j'aime si la vidéo vous a plu. Alors, on va regarder un petit peu les artefacts que l'on a à l'intérieur de notre sac. Alors, on va regarder un petit peu celle, d'abord la marque de Teverin, un peu inspectée comme ça, en espérant que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas, bien entendu. Est-ce qu'on met en carry? Ça, c'est l'inventaire qui bug, hein. C'est l'inventaire qui bug. Est-ce qu'on va faire comme ça? Non. Non plus. Alors, on doit la mettre par terre. Voilà. Espérons qu'elle est bien par terre. Et qu'on arrive à la retrouver. Elle n'a pas traversé le vaisseau. Ah, elle est là. Voilà. Ok, voilà. Ça prend un petit peu de temps. Le serveur est un petit peu léger. Oh. Voilà, on la prend. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. C'est bon. On y arrive. Ok, on va se mettre un petit peu dans la lumière et là on peut inspecter. Voilà, alors vous avez, alors bon dans la main là on voit pas grand chose, mais c'est une médaille en fait. On va la placer sur la table ici, comme ça on pourra peut-être la voir en espérant qu'elle va pas glitch bien sûr sur la table. Mais voilà, vous avez du coup, hop. Vous voyez, elle est endommagée. Mais du coup, voilà, ce sont typiquement des artefacts comme ça. C'est une sorte, un morceau de médaille de la guerre en fait de Teverin. Donc ça c'est sympa. Mais bon, moi ce qui m'intéresse le plus, évidemment, moi ce sont les artefacts aliens. Hein. Ça c'est plus intéressant. C'est plus intéressant à voir. Est-ce qu'on peut directement faire comme ça? Ce serait bien. Non. On va refaire comme ça en espérant que. Voilà, ça, parce que bon, ça peut glitch à l'intérieur du vaisseau. C'est pas l'objectif. Voyez, hop, hop, voilà, comme ça. Et puis, voyez, ça, sympa, hein. Inspecter. Voyez, c'est sympa, hein. Du coup, voilà, ce sont des artefacts comme ça que vous pouvez trouver dans les, à l'intérieur du coup des petites caisses là, comme je vous le disais. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est comme ça du coup pour le moment en tout cas que l'on fait de l'archéologie dans Star Citizen. C'est en tout cas une version un petit peu T05, un petit peu comme l'agriculture pour le moment. Donc c'est une activité qui est très sympa. En fin de compte, vous allez un petit peu dans des ruines et puis vous allez chercher un petit peu ça. Et puis, du coup, vous allez trouver du coup, des morceaux d'artefacts et puis des anciennes médailles et puis tout ça. Ça, c'est quelque chose. Voilà. Il y en a une certaine quantité. Je crois qu'il y a 5 artefacts aliens. Il y a 8 ou 9 artefacts humains. Donc, vous avez des petits morceaux, des grands morceaux et puis tout ça. Donc, je vous laisse un petit peu les découvrir un petit peu vous-même. Moi, ça m'a plu, en fait. J'aime beaucoup faire, en fait, de l'archéologie, d'aller chercher un petit peu ces artefacts-là. C'est une activité qui est très sympa. Et, eh bien, je trouve... Si vous en trouvez d'autres
eh bien, dites-le-moi en commentaire. Je trouverai ça très sympa quel intitulé vous avez trouvé. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à me le dire, à partager, du coup, typiquement sur le Discord, si vous en avez trouvé. Il y a, en fait, une section, du coup, pour l'archéologie. Il y a une section textuelle, en fait, pour ça. Donc, vous pouvez faire des screens, me partager, du coup, vos découvertes d'artefacts. Ça me fera plaisir de voir un petit peu vos découvertes. Et je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits.